Le futur proche, al mustaqbal al qarib. Formation, تكوين. يتكون المستقبل القريب من Le futur proche est composé de تصريف فعل aller في المضارع c'est-à-dire le verbe aller au présent مع مصدر الفعل يعني l'infinitif de verbe qu'on veut l'utiliser. Je vais écouter de la musique. Je vais écouter de la musique. أنا سأستمع إلى الموسيقى. Tu vas partir pour la France. Tu vas partir pour la France. أنت ستغادر إلى فرنسا. Il va manger du gâteau. هو سيتناول الجاتو. Il va manger du gâteau. هو سيتناول الجاتو. Nous allons finir le devoir. Nous allons finir le devoir. Vous allez prendre le bus. أنتم ستستقلون الحافلة. Je répète. أعيد. Vous allez prendre le bus. أنتم ستستقلون الحافلة. Ils vont nettoyer leur chambre. هم سينظفون غرفهم. Ils vont nettoyer leur chambre. هم سينظفون غرفهم. يستخدم المستقبل القريب للدلالة عن حدث سوف يقع حالا. On utilise le futur proche pour exprimer une action qui se fera tout de suite. يستخدم المستقبل القريب للدلالة عن حدث سوف يقع حالا. On utilise le futur proche pour exprimer une action que se fera tout de suite, c'est-à-dire l'action n'est pas encore faite. Dans quelques minutes, je vais manger. Dans quelques minutes, je vais manger. Tout de suite, nous allons partir. Tout de suite, nous allons partir. Bientôt, Ali va écrire ce devoir. Bientôt, Ali va écrire ce devoir. Demain, nous allons prendre le bus pour Alexandrie. Demain, nous allons prendre le bus pour Alexandrie. Je n'y vais pas prendre le bus. Je n'y vais pas prendre le bus. Il n'y vaut pas visiter le musée. Il n'y vaut pas visiter le musée. Vas-tu aller au Caire? Vas-tu aller au Caire?